Donc l'idée des trois projets, c'est vraiment construite autour d'une rencontre. Ça a été une rencontre entre ma démarche et ce que j'ai pu proposer comme exemple de réalisation passée. Le projet qui a été réalisé s'intitule D'un lien à l'autre. C'est une proposition de trois lectures poétiques et plasticiennes de lieux d'apprentissage du REP Berlioz à Paris dans le 18e. J'ai accompagné les élèves dans chaque établissement. Ils ont réalisé leur projet eux-mêmes. Grâce à un échange autour de mon langage d'artiste et à l'écoute de l'appropriation de ce langage par les différentes classes, on a réalisé une construction collective qui a pris forme et sens in situ. Les élèves ont eux-mêmes suggéré ensuite des projets, des exemples qu'ils ont matérialisés sous forme de maquettes et qui ont également rencontré un besoin. Je pense notamment au projet du jardin suspendu avec ce besoin d'apporter un peu d'ombrage pour certaines plantes en été à cause d'une exposition très forte au soleil. On a ensuite donné assez rapidement la direction d'un travail sur maquette pour modéliser un projet tout de suite en 3D. Tu peux me poser une question? Elles nous ont tout expliqué de A à Z, ce qu'il fallait faire, dans quel but. Et puis si on ne comprenait pas, bah, elles revenaient nous réexpliquer comment faire. Et... On va les accrocher dans des escaliers. On a commencé à réfléchir à ce qu'on allait faire. On a commencé à faire des dessins. La mairie de Paris a fait toutes les installations de tous les grands bacs. Puis nous a amené une première série de plantes côté fleurs, puisqu'on a aménagé un côté fleurs et un côté plus aromatique et potager. On a fait pas mal de schémas et avec nos plusieurs idées, on a essayé de vraiment faire quelque chose en commun pour que ce projet nous représente vraiment tous ensemble, que ce soit vraiment un travail de groupe. Il y avait l'artiste Anne Fleur qui venait avec nous pour disposer. On a d'abord commencé par faire les planches, percer des trous, mettre les fils. On a choisi ces matériaux pour déjà que ce soit un matériau naturel, que ce soit pas polluant ou quoi, que vraiment c'est un bénéfique pour l'environnement vu quand même on est dans un jardin. Il y a eu d'abord des chutes de tissus de l'industrie textile. Ensuite, on a pu bénéficier de ficelles de chanvre agricole usagées. Et ensuite, un surplus de moquettes ayant servi pour un de mes anciens projets artistiques in situ. Donc, il y a eu vraiment une très très belle énergie qui a fédéré toutes les classes, dont des classes qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Donc il y a une belle force de travail avec une collaboration vive de la part des professeurs et des accompagnants du projet. On a pu livrer donc un ensemble de trois projets très distincts et assez complémentaires. Donc du début où c'était juste quelque chose d'utile, ça c'est devenu quelque chose d'esthétique, de beau. Qu'est-ce que ça peut apporter de bénéfique? Donc au final, ouais, on apprend beaucoup de choses. Oui, quand même, ça aide vu qu'on a mis tous ensemble, on a pu se partager nos idées, discuter ensemble. Et même ce projet-là, vu que c'est dans un jardin, on entretient le jardin tous ensemble. Donc c'est vraiment, vraiment que du travail en groupe, on ne peut pas être seul. Chaque classe et chaque élève, chaque professeur s'est vraiment prêté au jeu. Alors moi j'aime beaucoup ce lien en fait qui va se créer, se tisser avec les élèves quand ils ont comme ça une jeunesse super enthousiaste et dynamique, parce que c'est l'occasion pour moi d'une transmission qui va venir compléter le cadre de l'enseignement classique scolaire. Cette transmission, elle vise à sensibiliser à une pratique professionnelle. Pour moi, je considère que ma pratique peut être aussi intéressante que tout autre métier. Ça peut pourquoi pas susciter des vocations, peu importe, mais en tout cas, on a utilisé des outils qui sont des outils, je pense, de l'architecture, avec des relevés de côtes, des mesures avec des décamètres. C'était une belle aventure. Alors en fait, on a besoin de les enraciner pour certains ici. J'avais presque envie de dire au sens symbolique déjà. Puis aussi de les remettre en contact avec la nature puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits où ils peuvent intervenir vraiment et être en contact avec la nature.
des classes s'entendent pas bien, là ça pourrait vraiment créer une bonne cohésion de groupe, apprendre à communiquer aussi, c'est ça, parce que plus tard quand on va grandir, on va pratiquement travailler qu'en groupe, on sera pratiquement jamais seul, donc c'est un bon apprentissage, et même on développe des compétences. Et du coup ça nous a aidé à voir comment un projet de A à Z marche, donc ça part de la base de la modélisation jusqu'à la réalisation, jusqu'à la fin, c'est de travailler la cohésion. Bah quand même, je ressens une satisfaction parce que c'était quand même pas mal d'heures de travail qu'on a fait tous ensemble, une collaboration, donc c'est vraiment plaisant de voir l'aboutissement de ce travail. Ce sera encore mieux quand tout vraiment sera fini, quand les plantes vont grimper sur les fils, ce sera vraiment beau. Bah, j'étais fier de tout ce qu'on a fait, on a pas mal travaillé sur plusieurs séances les mercredis après-midi. Et puis on ressent un peu de fierté après tout ce qu'on a fait. C'est plutôt cool de voir tout ça. Ils ont gagné en autonomie énormément. Ça me donne envie d'en refaire, même si ça quand même demande beaucoup de travail, savoir travailler en groupe. Les aspirations et la créativité d'un enfant est magnifique et mérite vraiment qu'on lui donne de la place et qu'on fasse confiance à la nécessité d'être exprimée, en fait. Une sensibilité, une créativité, quelle qu'elle soit. L'art, pour moi, l'aspiration artistique, il n'y a pas besoin de s'inscrire dans un projet de carrière ou professionnel. Je remercie vraiment pour cette implication dans ce territoire du 18e, que en fait, je connaissais assez bien, puisque j'ai habité dans le quartier. Et voilà, c'était un très très chouette moment pour moi de m'impliquer auprès de ses élèves et de ses écoles dans ce quartier-là que je connais un petit peu.